Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de ce tuto consacré à l'allégorie. Nous étions donc arrivés à ce stade. Donc voici ici, bien sûr, la dernière opération, c'était insérer ce rocher. Vous voyez ici que le pointillé qui est représenté par la taille de mon canevas, bien sûr, je vais mettre ce calque aux dimensions de l'image. Je m'aperçois aussi qu'à l'horizon, vous voyez, j'ai cette ligne qui dérange un peu. Je vais aller sur le calque, je vais simplement un peu déplacer cette ligne. Donc je vais sur l'outil de déplacement, bien déplacer le calque actif. Je vais descendre simplement un peu la ligne, vous voyez, un peu la faire fondre sur l'horizon. Voilà. Je vais compléter ceci avec l'outil gomme. Je vais prendre une gomme tendre, voilà. Taille de 78, c'est bien. Je viens simplement gommer, vous voyez, avec le bout de la brosse, cette ligne, gentiment, vous voyez. Une brosse très tendre, une opacité très basse. Donc voilà. On court ici un petit peu. Vous pouvez vous amuser, bien sûr. Voilà qui est fait. Que vais-je faire maintenant? Bien sûr, vous voyez ici que j'ai le pointillé, donc calque aux dimensions de l'image. Je reviens sur mon calque rocher, qui est celui-ci. Voilà. Vous voyez que j'avais tracé un guide. Que vais-je faire de ce calque? Mais je vais créer, bien sûr, un masque de calque. Je vais vous expliquer pourquoi, et pas uniquement, je vais d'abord ici activer mon masque de calque, voilà. Parce que je voudrais ici gommer, vous voyez, le bas du rocher, pour faire donner cette impression que voilà, qu'il est reposé sur l'eau. Et pourquoi pas employer uniquement la brosse? Et je vais vous montrer pourquoi j'emploie justement un masque de calque pour gommer le bas de ce rocher. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Alors voilà, donc je suis bien ici sur un masque de calque. Comme je vais effacer, bien sûr, nous employons les couleurs, qui est noir, transparence, et blanc, opacité complète. Je suis toujours sur une brosse tendre, avec une taille de 78, donc je regarde, oui, cela, ça me va. Donc je vais gommer ici, vous voyez, le bas du rocher, très gentiment, voilà. Et si on regarde bien, vous voyez que mon image, elle ne bouge pas de toute façon, mon rocher est toujours entier, c'est uniquement le masque de calque qui fait l'opération de la transparence. Tant que je ne l'ai pas appliqué, bien sûr. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Que vais-je faire maintenant? Et je vais insérer une autre image, qui est celle-ci. Naturellement, j'avais déjà fait auparavant un détourage de cette image. Avant de la détourer, j'avais retourné l'image dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais prendre l'image, transformer et miroir horizontal dans ce sens-ci. Et par rapport à ça, bien sûr, j'avais détouré mon image que j'avais fait via l'outil chemin. Donc je vais aller chercher ce chemin. Je vais aller le chercher, donc importer un chemin. Qui, vous voyez ici la tortue. J'avais expliqué ça dans un ancien tuto, comment, bien sûr, exporter le SVG. Je mettrai, bien sûr, le lien de ce tuto en fin de tuto, bien sûr. Alors, ouvrir. Voilà. Je vais activer la sélection. Vous voyez ici la sélection de la tortue. Je retourne dans mes calques. Bien sûr, un clic droit. Ajouter un canal alpha, canal de transparence. Je vais dans ma sélection et bien sûr l'inverser pour supprimer l'extérieur de la tortue en faisant supprimer de mon clavier. Sélection aucune. Bien sûr, je vais découper mon image. Voilà. Je découpe. Bien sûr, je vais faire édition, copier. Je viens ici. Si je fais édition, coller, il va me refuser le collage. Pourquoi? Parce que je travaille, bien sûr, sur un masque de calque. Donc, automatiquement, je vais cliquer sur mon image. Et par rapport à cela, je peux faire édition, coller. Et là, j'ai une création ici, sélection flottante. J'y attribue un calque. Voilà. Je vais déplacer, bien sûr, cette tortue. Voilà, je vais la mettre ici à peu près.
Que vais-je faire? Je vais jouer ici avec l'outil de rotation. Je vais tourner cette brave bébête. Voilà, outil de rotation. Je regarde encore comment je peux. Je regarde toujours ici aussi par rapport au guide que j'ai tracé, par rapport ici aussi à la ligne de flottaison de mon rocher. Je regarde. Disons que je pourrais mettre ceci comme ceci. Voilà. Descendre un peu peut-être. Voilà. Je suis satisfait. Je mets bien sûr calque aux dimensions de l'image. Je vais faire de même, comme j'ai fait à la tortue. Je vais créer un masque de calque. Ajouter un masque de calque en blanc. Et je vais aussi, de nouveau, l'outil brosse, pinceau, et gommer légèrement le bas de cette tortue. Voilà. Voilà qui est fait. Je n'ai plus besoin de mon guide, donc je peux aller à l'outil de déplacement. Je regarde, ah, je n'y ai pas accès, pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas coché ici, pointer un calque et ou guide. Voilà, je peux déplacer mon guide, et je reviens bien sûr, toujours déplacer un calque par la suite. Que vais-je faire maintenant? Je vais créer un calque, en transparence. Je vais aller chercher une brosse. Ici, je vais aller regarder. Moi, je crois que je suis trop loin. Je vais aller plus bas. Je regarde. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais prendre une brosse. Voilà. Je vais la prendre à 150. 155 ceci, voilà. Je mets la couleur blanc en premier plan et je vais colorier ici le bas du rocher pour donner un effet de déplacement d'eau, voyez. Ainsi que pour la tortue. Sa patte. Effet d'eau comme ceci. Je vais reprendre une autre brosse qui est celle-ci. Je vais donner un effet comme si ça avait été déplacé, vous voyez. Ici de même. Ainsi pour l'arrière de la tortue et que pour sa patte. Sa patte peut monter un peu plus. Voilà. Vous voyez comme ceci. Que vais-je faire maintenant? Mais je regarde ici la couleur bien sûr de la tortue. Qui est ce calque, je dis tiens, je ne vais pas jouer bien sûr sur le masque de calque, mais bien sur l'image, je vais aller dans les couleurs, dans luminosité et contraste, je vais augmenter un peu le contraste, et descendre à luminosité, oui, simplement comme ceci, voilà, je fais valider, que vais-je faire? Je vais de nouveau aller chercher une nouvelle image, je vais dans mes calques, je vais chercher ici, dans mon historique. Vous voyez ici, j'ai pris un aquarium, mais qu'ai-je fait de cet aquarium? Mais, vous voyez que j'ai enlevé tous les poissons, j'ai découpé mon image. Vous allez me dire, mais comment a-t-il fait pour enlever ces poissons et garder les plantes qui sont derrière? Mais c'était tout simple, simplement avec l'outil, vous connaissez d'ailleurs, j'en ai fait un tuto, je prends l'outil elliptique, je sélectionne par exemple un poisson, c'est pour vous montrer, hein. Voilà, il est sélectionné. Je vais dans filtre, dans amélioration, je fais dans Hill Selection. Fenêtre s'ouvre, je laisse les paramètres, travail se fait, et voilà mon poisson qui est parti et qui a gardé bien sûr les plans. Donc j'ai fait de même pour les autres poissons et je suis arrivé à cette image-ci. Donc cette image-ci, celle-ci, je n'ai plus besoin. Et ma tortue, je n'ai plus besoin non plus. Donc je suis bien sur cette image, je fais édition, copier, j'ai bien sur mon calque, je fais édition, coller, bien sûr sélection flottante, j'y attribue un calque.
Que vais-je faire? Je vais descendre mon calque, bien sûr. C'est une allégorie, hein. Donc voilà, vous faites votre création, vous racontez votre histoire par rapport aux images. Voilà, ceci est mon histoire. Alors, je prends l'outil de déplacement. Je déplace mon calque. Je regarde. Je vois que je peux diminuer. Soit je garde ceci. Je vais l'ouvrir vers l'extérieur. Petite mise à l'échelle. Je l'ouvre complètement. Voilà, la mise à l'échelle. Bien sûr, je vais regarder son opacité. Oui. Que puis-je faire? Ben, je peux encore, bien sûr, jouer sur la grandeur. Je vais cacher, bien sûr, l'image qui est à l'arrière. Je viens juste rejoindre, vous voyez. Oui, au niveau des vagues, vous voyez, je vais me mettre là, comme ceci, tout simplement. La mise à l'échelle. Je réactive l'œil. Je fais bien sûr calque aux dimensions de l'image. Je vais jouer bien sûr sur son opacité. Oui, légèrement. C'est en transparence. Comme si on voyait le fond de la mer. Alors, pourquoi maintenant je vais revenir justement sur le calque de la tortue? Je suis bien sur son image. Et ici, qui est représenté par le calque, le cadre blanc, pas sur le masque de calque, mais bien ici, sur l'image. L'image, elle est complète, puisque le masque de calque n'a pas encore été activé. En étant bien sûr sur mon image, et je vois ici, bien sûr, le bord où j'avais gommé le bas de la tortue, je vais prendre une sélection. Je vais chercher une sélection par rapport à la tortue. Oui, je suis bien ici. Je fais un clic à l'intérieur. Je fais CTRL-C. Je copie et je fais CTRL-V, coller. J'ai une sélection flottante, vous voyez, qui se met ici. J'y crée un calque. Donc, il fait réapparaître le bas de la tortue. Ce qui est à dire que c'est indépendant de la tortue. Je peux faire ce que je veux avec ce calque maintenant. Donc, je peux diminuer son opacité. Faire comme si c'était sous l'eau. Vous voyez? Bien sûr, je peux faire calque aux dimensions de l'image. Naturellement, vous voyez que je ne vois plus les vagues. Je vais simplement jouer avec mon calque et le faire descendre. Voilà. Je peux toujours encore jouer maintenant, encore un peu plus sur son opacité. Faire réapparaître, vous voyez? Je peux faire la même chose, bien sûr, avec le rocher, mais ce n'est pas nécessaire. Vous voyez comment on pouvait jouer et jongler ici avec le masque de calque. Voilà pourquoi j'ai employé un masque de calque sur la tortue. Parce que si j'aurais employé l'outil gomme sans mettre de masque de calque, je n'aurais pas pu récupérer, bien sûr, le bas de la tortue. En ayant fait un masque de calque, j'ai toujours une image qui est complète, sans avoir activé, bien sûr, mon masque de calque. Et je peux aller récupérer, bien sûr, le bas de cette tortue. J'aurais pu faire de même, bien sûr, avec le rocher. C'est simplement pour vous montrer l'exemple. Que vais-je encore faire de ceci? Ben, je vais chercher une autre image. Qui est l'enfant? Bien sûr, j'avais détouré, bien sûr, aussi l'enfant, mais je l'avais détouré dans l'autre sens. Donc, bien sûr, mon image transformée horizontale, comme ceci. Je vais rechercher, bien sûr, mon outil chemin, enfant, ouvrir, faire la sélection, revenir dans mon calque, ajouter un canal alpha, canal de transparence, sélection inversée, et je fais supprimer de mon clavier. Bien sûr, sélection aucune. Je vais découper mon image. Voilà, comme ceci. Je fais édition, copier. Je retourne dans mon image. Édition, coller. Sélection flottante. J'y attribue un calque. Bien sûr, mon image, beaucoup trop grande.
Je ferme la chaîne pour garder les proportions. Voilà. Je fais un test. Je déplace l'enfant. Je vais le mettre sur le rocher. Comme ceci. Je vais lui donner une petite rotation. Voilà. Comme ceci. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Je vais jouer aussi, bien sûr, ici avec la luminance, bien sûr, couleur, luminosité, contraste, augmenter un peu le contraste, sans la luminosité, voyez, valider, je peux encore déplacer, bien sûr, si je le décide, voilà, je suis satisfait, calque aux dimensions de l'image. Voilà qui est fait. Mais que regarde-t-elle? Oui, bien sûr, elle est impressionnée par la tortue. Mais j'y ai ajouté un petit quelque chose. Donc vous avez bien vu, quand j'étais sur cette image, il y avait un petit jouet, vous voyez ici. Donc j'avais détouré ce petit objet qui est ici, vous voyez. Donc je fais édition, copier, bien sur mon image, édition, coller, sélection flottante. Voilà, je vais agrandir mon image. Je la prends, je la déplace. Je vais la mettre ici. Je vais, bien sûr, diminuer son image. Mise à l'échelle, comme si la tortue avait été la repêchée au fond de l'eau pour pouvoir la lui remettre. Vous voyez, voilà une allégorie de fête. Amusez-vous. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez bien sûr aussi, par rapport aux images, créer votre propre histoire. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute. Au revoir.